La tendance reste hésitante à la mi-séance avec un CAC 40 en progression de 0,1%. Et on commence par les hausses avec Michelin. Michelin qui a confirmé hier soir ses objectifs annuels. Et ce matin, les analystes se montrent rassurés par la publication. Bon chiffre également pour Fnac Darty qui sont salués par les investisseurs à la mi-séance. Le titre monte de 2,5%. Et puis Saint-Gobain, de son côté, est porté par une recommandation à l'achat de Berenberg. Du côté des baisses, on retrouve Soitec. Il s'agit de prise de bénéfices après sa flambée de près de 7% hier. Séance difficile pour Accor Hôtel qui perd 2,4%, lanterne rouge du CAC 40 ce midi. Les investisseurs affichent leur déception après un troisième trimestre jugé un peu court. Le chiffre d'affaires s'est hissé à 504 millions d'euros en hausse de 7,2%. Grâce aux acquisitions, c'est nettement inférieur au consensus. En termes de perspective, Accor Hôtel a pourtant annoncé de bonnes nouvelles. Il vise désormais pour cette année un résultat opérationnel dans le haut de la fourchette prévue de 460 à 480 millions d'euros. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire.